frappez pas, c'est mes garnitures de frein. Forcément, elles sont neuves. Mais ça, ça c'est de la mécanique, comprenez-vous? Mais dans les démarrages ou dans les reprises, moi je vous bats n'importe quelle voiture américaine. Il faut vous dire que moi, je suis un mordu de la mécanique. Mais j'étais metteur au point chez Hispano Aviation. Mais ça, ça c'est un moteur à moi, monsieur. Ça, ça vous tape un petit 140. Enfin, il suffit de lui demander poliment. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Et alors, j'ai monté un stabilisateur pour les virages, comprenez-vous? Regardez-en. Yep. Ça vous renverse, hein? Mais ça, c'est rien. Regardez-moi ça, mais dans Paris, on ne peut pas se lancer. Moi, je ne peux pas me servir de mon super turbo compresseur, ni de mon double carburateur spécial, comprenez-vous? Hein? Voilà. Sans ça, vous verriez ce que ça donne. Comprenez-vous? Imbécile, on fait signe quand on s'arrête. Vous rendez compte? Merci. La vie, c'est derrière. Là, voilà. Non, il faut vous dire que demain, je pars en vacances avec ma famille. Alors, j'ai fait équiper les sièges en couchette. Et alors, c'est là que je vais dormir avec ma femme. Excusez-moi. Hein. Non, mais comme lui, on fait pas mieux. Tiens, tâtez. Tâtez-nous. Hein? Oh. Combien 400. Mais t'aurais pu le dire tout de suite que t'avais des portugaises en sablé, je t'aurais pas raconté ma vie. C'est un abus de confiance. 400. Bon. Taxi. Je regrette, mes mignonnes. Fini pour la saison. Réouverture en septembre. Dans quelle direction allez-vous? Direction Espagne. Adios, señoritas. Et olé. Oh. Qu'on devrait bouffer les kilomètres. Vieux, les départs en famille, la prochaine fois, moi je pars tout seul. Tout seul, je donne un coup de main, va. J'ai l'air propre. Doucement. Maurice, viens m'aider à boucler la grande valise, j'y arrive pas. Eh ben, t'as qu'à t'asseoir dessus. Je suis pas assez lourde. Vous voulez que je monte vous donner un coup de main, madame Germaine? Avec plaisir, monsieur Casimir. Au moins, vous vous ferez le poids. Tu permets? Oui, mais je te suis. Idiot. Hein? Idiot, mais prudent. Mais parce que tu peux pas tenir ta droite. Oh, ça, par exemple, elle est un peu raide. C'est toi qui tiens ta gauche. Oui, mais je viens de la droite, donc j'ai la priorité. Évidemment, t'as toujours raison, toi. Monsieur Jean, on demande quelqu'un de chez vous au téléphone. C'est bien, merci, j'y vais. Papa, c'est tante Mathilde qui téléphone. Il y a l'oncle Léon qui s'impatiente. Il demande si on arrive bientôt. Oui, bah s'il est pressé, il n'a qu'à partir devant. Et alors? Maurice te fait dire que si t'es pressé, t'as qu'à partir sans lui. Toujours aussi aimable, celui-là. Ah, en effet, je ne sais pas ce qui me retient d'aller passer mes vacances ailleurs. Tiens, chez ta mère. Comme ça sera toujours aussi agréable qu'avec... Eh ben, merci pour elle, t'es aimable, toi aussi. T'as fini ce gros ballon, toi, oui. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces chers petits, tu crois pas que je vais les laisser tout seuls pendant un mois? Ils mourraient de chagrin. Mais c'est pas possible, mais où voulez-vous que je mette tout ça? Bon, on en mettra dans la roulotte. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, bon sang de bois?
grand con. On devait partir à 7 heures. Eh bien, il est 9 heures. Mais jamais on sera à la main de Pavon pour déjeuner à midi. Et l'horaire que j'ai mis un mois à étudier. Eh bien, à refaire, l'horaire, à refaire. Oh, ben... Ah, je te jure que je la plains, ta pauvre soeur. Oh, mais t'énerve pas, ça sert à rien. Nicole, je t'ai déjà demandé de ne pas jouer au ballon près de cette roulotte. Tu vas rayer la peinture. Enfin, c'est trop fort à la fin. Tiens. Quoi? Oh, mais dis donc, tu l'as reçu sur le pied, toi, au moins. Et ça te fait rire. Bah, tu vas voir si je vais te faire rigoler, moi. Tiens. Ah! 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 Mais qu'est-ce qui se passe? Non, pourvu qu'elle se soit rien passé. Mais vous n'êtes pas prêts. Alors quoi? Toujours en retard quand c'était pas la peine de téléphoner pour qu'on se presse. Oh, bah alors, Boucher, mais tout ça serait pas arrivé si t'avais été à l'heure, enfin quoi. Allez, aide-moi. Où? Bah, levez ça, quoi. Oh là là. Allez. Oh. Mais ne remets pas. Pourquoi t'as lâché? Dis. Allez, réussis ton petit numéro. Tu te rends compte, il y en a bien pour une heure à remettre tout ça en place. Ça n'empêche pas que vous êtes dedans. Donc, dépêchez-vous, mes petits enfants, on arrive. C'est bon, le tabac. Quel tabac? Eh ben, heureusement que je suis là pour penser à tout. Mais enfin, mes petits enfants, c'est pas tout ça. Mais il faut planquer le tabac. Oh, tiens, justement, je m'apprêtais à... Bon, mais bon, ne t'apprête pas à faire un discours. Allez, hop, il ne s'agit pas de s'en faire piquer. Moi, j'ai pas envie de fumer de la barbe de maïs et du poil de thon. Allez, hop, quand tu remplis le poids tabac, un poids tabac, ça passe toujours. Et vous, les filles, un paquet de tabac dans chaque paire de chaussettes, comme prévu. Bon, pour nous, il s'agit d'en passer le plus possible sur nous, comprenez-vous? Mais non! Quoi? Bah, c'est pas possible, t'as l'air de Lolo Brigida! Tu crois? Bah, il y a qu'à le mettre en peinture les poches, puis nous verrons du feu! Bon. Un momento. Maintenant, attention, préparez vos passeports, prenez vos valises, et pour le reste, laissez-moi faire. Belle bagnole, hein? C'est le dernier cri, ça. Vous avez l'embrayage automatique. Ça part en quart de tour. Et vous allez loin avec ça? Yo no comprendo. Ah, vous ne parlez pas français. Et vous ne comprenez pas non plus. Eh ben, tant mieux, parce que j'aurais jamais osé vous dire que je vous trouve drôlement jolie et que vous me plaisez beaucoup, avec des yeux comme les vôtres et une bouche comme un fric au coucou. Papeles, por favor.
Frances. Oui. Vous allez à Grenade? Oui. Présentez-vous avec vos bagages au bâtiment de la douane, s'il vous plaît. Bien. Vous m'avez bien eu, hein? Alors, c'est joli, Grenade? Oui, mais il faut que je porte mes bagages à la douane. Permettez. Prenez vos valises, oui. Quoi tu prends celle-là? Jacques, où est Jacques? Je prends celle-là, voilà. Oh, ah, ben elle est bien bonne, celle-là. Jacques, ici. Tu crois pas que tu ferais mieux de venir nous aider? Excusez-moi. Je te dis de venir ici. J'espère qu'il ne vous a pas trop importuné. Oh, pas du tout. Il est insupportable, toujours dans les jambes des gens, vous savez. Surtout quand ses jambes sont jolies. Pardon. Maurice! Elle est pas à nous, cette valise. Puis si t'as une main de libre, faut pas te gêner, viens nous aider. Oh, bah ça va, moi, j'arrive. Cuidado, va où c'est d'un souci en miro, pas. C'est par là. Por favor, abren sus paletas. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Ouvrez les valises, s'il vous plaît. Mais toutes? Todas. Si. Cuidado, refaites-la au moins proprement. Por favor, su bolso. De la valise? Mais non, je te dis que c'est toi qui l'as. Léon, t'as pas la clé de la valise? Quand on n'a pas d'ordre, hein. Ah! Voilà. Non, je te jure. Hein. Mademoiselle, vous voulez me suivre, s'il vous plaît? Pourquoi? Pour une visite de vos vêtements. Bon. Voilà. Merci. Tome. Oui, il n'a pas l'air commode, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans? Des chaussures, des chemises, du chocolat. Et des chaussettes. Bueno, ça va, ça va. Des chaussettes. Dis donc, t'as pas peur que ça paraisse un peu bizarre, toutes ces chaussettes? Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Passe à Jacques. Ça, c'est le ravitaillement. Tout en tube. C'est la nouvelle formule. Beurre en tube, lait en tube, sucre en tube, crème arrosée en tube, savon en tube, dentifrice en tube, colle en tube, cirage en tube. Pour la cuisine, il ne s'agit pas de se tromper de tube. Parce que ça ferait un drôle de ragoût. Tiens, ça, shampoing. Là, tube. Posé et... Coquetier jumelle. Gros, petit, gros, taille, gros. Et ça, sommeil. Et prends le nez, rhume. Ça, cosy, et tondeuse, cosy. Ça, l'œuf pour repriser les chaussettes. Non, non, le poivre, pépère, le poivre, pépère. Et ça, rasoir patata. Ou alors, vas-y. Hop. Ah oui, bout spécial renforcé. Si. Alors, si. Alors, mes enfants, maintenant, pas de temps à perdre, on s'en va. Oui.
Señor, vous avez oublié quelque chose, là. Ah, merci. Merci. Est-ce que c'est nous, mais on a reçu des consignes particulières. Mais je vous en prie. C'est tout naturel. Tommy. Ils n'ont pas été trop féroces avec vous? Ah, non, mais ils ont trouvé à qui parler. Moi, j'ai dû leur faire un véritable numéro de striptease. Par exemple. Là. Fais attention, celle-là est lourde. Hein. Celle-là aussi, tiens. Quel joli tissu. Vous vous êtes fait faire ça à Paris? Oui, oui, à la Belle Jardinière. C'est très chic. Ah, un peu chaud, on était un peu lourd, un peu lourd. Vous croyez? Ah. Je vais en profiter. Je veux me mettre à l'aise. Les soirées sont fraîches en Espagne. Je me mets à l'aise. Hop. Et voilà. Hey, mademoiselle, permettez. Je vous en prie. Permettez. Merci. Quel sport! Oh, 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 oh. Mais enfin, n'apportant pas l'air de contrebandier. Là, voilà. Oh, excusez-moi, il faut que j'aille porter ma valise dans la roulotte. Vous permettez que je vous accompagne? Je serai heureuse de saluer ces dames. Mais comment donc, je vous en prie. Après vous, c'est là-bas, tenez. C'est la première fois que vous venez en Espagne? Oui, oui, et c'est même la première fois qu'on va à l'étranger. Et vous allez loin? Séville, Séville. Oh, vous savez, moi je voyage, c'est surtout pour instruire mon fils. Alors, c'est votre fils, ce grand jeune homme? Oui, oui. Je vous prenais pour son grand frère. Oh, non, non. Oh, mais si, je vous assure, son grand frère. Tu viens, fiston? Ma femme. Madame. Mademoiselle. Mais dis donc, je crois qu'on va pouvoir partir, hein. Ah, ma belle-sœur. Mademoiselle. Mon beau-frère. Mademoiselle. Monsieur. Ma petite nièce. Mademoiselle. Mademoiselle. Pardon. On ne saurait prendre trop de précautions. Après vous. Au revoir, mesdames. Mademoiselle. Au revoir, monsieur. Mademoiselle. Au revoir, monsieur. Faites bon voyage. On aura peut-être l'occasion de vous revoir à Séville. Peut-être. Tu viens, fiston? Et je vais. Señorita. Un moment. Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous allons examiner la voiture. Ça, c'est un peu fort. Nous avons des ordres, señorita. Señorita. Alors cette fois-ci c'est fini, je peux partir? Oui, señorita, je vous en prie. Dis donc, il faut encore remettre de l'eau dans le radiateur. Il y en a plus, la réserve de la roulotte qui est passée. C'est pas étonnant, il fait au moins 50 degrés à l'ombre. Oh, oui, bah encore un kilomètre, il serait tout pété, quoi. Je te dis qu'il y a une rivière à 2 km d'ici environ. C'est quand même une carte, non? Tu prends la première route à gauche et ça descend tout le temps. Jusqu'à un petit pont, tiens. Regarde là-bas à droite, il y a un petit pont. Ah,
pas d'eau. Ah, ben ça alors. Oh, à sec la rivière. À sec, elle est complètement à sec. Oui, ben il faudrait mieux une rivière sans pont qu'un pont sans rivière. Alors mes petits enfants, vous allez dire, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il y a qu'à s'installer là. Oh oui, tiens, là-bas, là, dans le pré. Oh, d'accord, d'accord. Dans le pré. Oui, oui, c'est ça. Santé de l'Espagne et de tous les Espagnols. Et à la nôtre. Mais attention, hein, ce soir, on a bu la ration de 4 jours. Mais bon, ben, il fallait bien se consoler de ne pas avoir d'eau. Et puis allez, au diable l'avarice, on s'en réapprovisionnera avant d'arriver à Séville. À Séville? Ben oui, quoi, à Séville. Vous êtes toujours décidé à aller à Séville? Mais moi, j'ai lu dans les guides que Grenade, c'est beaucoup mieux. Grenade avec l'Alhambra sur son rocher, et les orangers, les oliviers, les citronniers. Oui, oh, ben, moi, je ne suis pas con, hein. Ben oui, pourquoi pas. Oh oui, il paraît que c'est très joli. Remarque que d'après la carte, la route a l'air plus pittoresque. Oh oui, oui, Grenade, c'est un paradis. L'eau claire fait jaillir de la terre les fruits et les fleurs. Et les plantations de tabac, au soir tombant, rendent l'air grisant comme un opium. Oui, bon, bah ça va, on ira, d'accord. Mais reconnais que si t'avais appris tes leçons comme ça, t'aurais pas été recalé à ton bac. Pardon, j'ai été recalé qu'à l'oral. Pour la troisième fois. Aussi, je ne comprends pas que tu t'obstines à faire passer des examens à cet enfant qui, visiblement, n'a pas de disposition pour ça. Bon, bah, il a un petit défaut de langue. Et alors? Ben, t'as pas empêché le grand Démosthène d'être un grand orateur. Bon, je ne dis plus rien. Allez, bonsoir, bonne nuit. Faites de beaux rêves. Bonsoir. Bonsoir. À même. Je crois que c'est le laitier. Le laitier. J'ai été élevé au lait de chèvre. Eh ben, Léon,
Mais tu y es allé. Allez, vas-y. Courage, Maurice. Courage. J'arrive. Bon. Mais je vais chercher le deuxième flight out. À tes souhaits, Ferdinand. Oh, mais c'est formidable! Il se défend comme un lion! Maurice, reviens! Où est-il, ce diamant? Dans la poche d'un veston, je te dis. Et le veston? Dans une valise. Et la valise? Dans une roulotte. Et la roulotte? La roulotte, ben, je la cherche. Ben, c'est réussi. T'as même pas été foutu de suivre tes clients. Mes compliments. Je les retrouverai, va. T'en fais pas. J'ai une idée. Je te le conseille vivement. Thank you.
passé. Ah, merci, monsieur le commissaire Maigret. Oh, pardon. Ne vous en faites pas. Vous arrangez ça. Vous êtes mon sauveur. Oh, vous savez, la mécanique et moi, on n'a pas beaucoup de secrets l'un pour l'autre. Et voilà. Oh, merci. Alors, vous venez? Bah, elle peut pas repartir sans klaxon. Faut que je trouve le court-circuit. Je vais vous arranger ça, vous allez voir. Oh, vous êtes adorable. Est-ce que je pourrais vous demander une grande faveur? Mais je vous en prie. Pourrais-je me changer dans votre roulotte? Je peux pas arriver à Grenade dans cet état. Ah, parce que vous allez à Grenade. Oui, oui. Ah, mais tout s'explique. Eh bien, elle est bien bonne, celle-là. Mais qu'est-ce que ça a de drôle? Ah, non, c'est une histoire entre lui et moi, une histoire de famille. Alors, je peux? Hein? Mais bien sûr. Merci. Permettez, je vais vous montrer le chemin. C'est pas normal, tout ça. Quoi? Je suis sûre qu'elle a une idée derrière la tête, cette fille. Bonjour, mesdames. Mesdames. Madame. Madame. Mademoiselle. Monsieur. Votre mari m'a permis de me changer dans votre roulotte. Ça ne vous dérange pas trop? Je vous en prie, mademoiselle. Faites comme chez vous. Merci. C'est ici. Vous voulez pas que je vous aide? Non, merci. C'est ça qu'on vous apprend à l'école? Et on vous apprend à être poli avec les dames. Donnez-moi votre valise. Merci. Ah, alors, pour de la mécanique américaine, j'ai de la mécanique américaine. Je vous remercie. Et voilà, le tour est joué. Je ne sais comment vous remercier. Sans vous, je me demande ce que je serais devenue. Mais jolie comme vous l'êtes, vous n'auriez pas tardé à trouver un autre dépanneur. Sûrement pas aussi expert. Mais si. Allez, au revoir et encore merci. Au revoir. À bientôt. Peut-être. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je sais ce que c'est. J'ai dû inverser les commandes. Alors, il vous suffit de vous mettre en marche arrière et vous partez en avant. Encore merci. Au revoir. Voilà. Alors, vous venez, oui? Ma parole, depuis...
depuis que vous êtes en Espagne, vous vous prenez pour des donjons tous les deux. Bon, ça va, voilà, voilà, voilà. Oh, bah, ça c'est trop fort. On va tout de même pas se laisser doubler par un taco comme ça. Oh, oh, attends. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Je mets en route mon super turbo-compresseur. C'est le moment ou jamais de faire un petit essai. Mais commets pas d'imprudence. T'en fais pas un petit 140 pendant 5 minutes, ça nous fera pas de mal. Quoi? Attention. Comprenez-vous? Ça va! Dis tonton, tu veux que je t'aide? Va-t'en, allez-vous-en, allez-vous-en! Laissons monsieur travailler tout seul, oh! Oui, ça alors tu peux le dire, il fait chaud. Mais compte au lieu de dire qu'il fait chaud. Oui, bon, 34. Oui, 34. 38, 40, 44. Et les types de d'air, ça fait... 54. Et dis donc, tu sais qu'on crève de chaud là-dedans. Il va bientôt marcher ton turbo-compresseur. Ça va, j'en ai pour une minute. Une minute? Une minute de mécanicien à la gomme, oui. Tu connais ça? Et pas le moindre souffle d'air. C'est vrai, on étouffe. Oh, elle a pas idée de s'arrêter comme ça en plein soleil. Bah, la prochaine fois, on lui demandera d'avoir une panne à l'ombre. Ou tout simplement de pas avoir de panne du tout. Allez, con. Je passe. Non. Non plus. Non plus. Hé, Léon,
enfin, quoi? Non, mais t'es pas devenu un peu fou, non? Tu te rends pas compte qu'un peu plus, on allait tous se tuer. Je te jure, je fais pas les trucs à faire, non? Moi, j'ai compris, tu continues en réveillant. Mais vous n'allez tout de même pas. T'aurais quand même dû serrer ton frein à main, non? Oh, bah, ça fait du cul, on continue de dire qu'il y a les 6 fois de suite en son permis de conduire, on a la pudeur d'être. Non, mais moi, je te dis, t'aurais dû serrer ton frein à main, c'est facile. La roulade, te voilà, Myriam. Bonjour, alors, Fred. Ça s'est bien passé? On t'attendait. Bonjour. Prenez les valises. Mais t'as été long, dis donc. Tu sais, c'était pas facile. S'agit pas de bousiller les serrures. Vas-y, mollo, que je te dis. Tête de mule, faut tout prévoir. Suppose qu'un jour, ils viennent récupérer leur valise. Tu penses pas qu'on pourra la leur rendre avec des serrures bousillées? Dès qu'on aura récupéré le diamant, on remet tout en place et on ferme les serrures. Tu comprends? Bah oui, laisse veston. Il me semblait qu'il était dessus. Faut croire qu'il est dessous. Encore des chaussettes. Des chaussettes. Ma parole, c'est une famille de 1000 pattes. Et pas de veston. Ah, toi, je te retiens. T'es fortiche. Pourtant, j'ai pas rêvé. Il a mis la veste dans la valise devant moi, j'en suis sûre. Non, toi, tu essaies pas de me doubler par hasard? Tu sais ce que ça coûterait? Ben voyons, Fred, tu me connais? Justement, je sais que t'aimes bien les diamants. Pas à ce prix-là. Voyons, s'il a mis dedans cette veste et qu'elle y est plus, c'est que quelqu'un l'aura retiré, et ce quelqu'un, il est probable que c'est lui. Il va falloir chercher dans toute l'Espagne. Si seulement on savait où ils vont. À Séville, d'après ce que j'ai compris. Tu ne pouvais pas le dire tout de suite, espèce d'idiote. Et toi, grouille-toi d'appeler Séville. Demande Fernandez au Blue Bar. Dígame. Oh, señorita, por favor, quiero hablar con Sevilla. Gracias. Sevilla. Une famille de Leugdu dans un taxi avec une roulotte aux fesses. Ça peut tout de même pas passer inaperçu. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fout, ce sacré Fernandez? Il devait rappeler ce matin à la première heure. Il est 10 heures et toujours rien. Toi, je te retiens. Ça y est, je le sens. Fernandez nous a doublés. Ah, oh, la crapule. Il me le paiera. Allô? Ah, c'est toi, Fernandez? C'est toi, Fernand? Oui. C'est au sujet du taxi Marseille. Oui. Ah oui, ben, on l'a pas trouvé. T'es bien sûr? Nous avons passé la nuit chercher. Fais attention, je vais me renseigner ailleurs. Alors, tu peux te renseigner? Nous avons fait ce qu'on a pu, on n'a rien trouvé, c'est pas notre faute. Il a fouillé la ville et les environs toute la nuit, il a trouvé personne. Ben quoi, vous n'allez pas rester planté là comme des moules?
Il y a un diable de 100 briques qui se travaille sur la route d'Espagne. Il faut ratisser tout le pays. Moi et Myriam, on ira de Madrid à Séville. Et toi, Carlos, tu iras faire un tour à Valence. González et Pedro, direction Barcelone. Allez, oust! Sortez immédiatement les voitures du garage. Il faut qu'avant demain soir, on ait retrouvé cette famille. Toi, prends la Cadillac. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être la police. Hop! Vous deux, planquez-vous dans le garage et soyez prêts à intervenir. Qu'est-ce qu'on fait? Va voir. Toi, reste ici. C'est eux! Comment, c'est vous? Oh, pardon. Et entrez donc. Eh ben, on en a eu du mal à vous retrouver. Ah, moi, je suis rudement content de vous revoir. Pas tant que moi. Bon, c'est gentil, ça. Va chercher la valise au monsieur. Vous vous étiez trompé de valise. Mais oui. Mais c'est pas étonnant, elle se ressemble tellement. Je me suis aperçue que c'était la vôtre en essayant de l'ouvrir. J'ai cru que c'était ma clé qui ne marchait pas et j'ai failli aller chercher le serrurier. Oh. Permettez-moi de vous présenter monsieur Fred, directeur de l'établissement. Oh. Tout le plaisir est pour moi. Vous prendrez bien quelque chose. Un petit drink. Mais oui, mais oui. Bon. Mais. Voilà votre valise. Merci, monsieur. Oh, je suis bien content de l'avoir retrouvé. Oh, merci. C'est que c'est pas une valise comme les autres. Vous n'avez rien trouvé dans la valise? Quoi donc? Ah, ben c'est vrai, vous n'avez pas pu l'ouvrir. Sans ça, vous auriez été très étonné. Il faut vous dire que c'est bien caché. Je transporte un trésor. Ça a l'air d'être des paires de chaussettes. Bon. En réalité. Vous connaissez pas le coup des chaussettes? Non. C'est la meilleure cachette. Une cachette? À vous, je peux bien le dire. Chaque chaussette est bourrée de tabac. Ça vous embouche un coup. Non. Je vous donne le truc, pour si des fois, vous aviez quelque chose à passer à la douane. Dans la vie, il faut être un peu gangster. Pas vrai? Merci du tuyau. Maintenant, il faut que je me sauve. Ne restez pas à Grenade? Oh, si. Enfin, pour le moment. Faudra revenir nous voir. Ah, mais je me le ferai pas dire deux fois. Non, allez, au revoir et à bientôt. Et j'espère bien. Vous et les vôtres, vous serez toujours les bienvenus à la Corrida. La Corrida? C'est le nom de la maison. Famille s'impatiente, ils vont croire que je m'amuse. Mais vous n'allez pas repartir comme ça, vous reprendrez bien verre avec nous. Je vais aller chercher votre famille. Non, une autre fois, de ce jour, enfin, à l'occasion, je repasserai vous dire un petit bonjour. Non, aujourd'hui, nous visitons Grenade. Ah. Je vous accompagne. Oh, je vous en prie. Je serai heureuse de saluer ces dames. Oh, j'ai trop aimé. J'ai cru qu'il se foutait de ma gueule avec ses paires de chaussettes. González, Pedro! Va falloir vous distinguer tous les deux. Sûr que le diamant est encore dans le veston et qu'ils s'en sont pas aperçus sans ça, ils seraient pas venus ici. Maintenant, il s'agit de me retrouver ce veston. Filez-moi ce lascar. Vous êtes deux innocents touristes. Enfourchez vos vélos et ne le lâchez plus, compris? Au revoir! Señoras y señores, por favor. Desde este terrado pueden ustedes gozar de una vista bárbara sobre las cercanías y la Sierra de Granada. Esto es el barrio antiguo de la ciudad. Y allí verán ustedes la iglesia de San Nicolás. La iglesia de San Nicolás. Lleguen aquí. Van a ver ustedes
una vista sobre el Alhambra. Aquí en primer plano tienen el Alcázar, el palacio árabe. Y detrás está la Alcazaba, o sea, toda la fortaleza militar. Y aquí, sobre la izquierda, está el palacio de Carlos V, que naturalmente es posterior al siglo XVI. Bueno, ahora le voy a enseñar a ustedes los jardines del Generalife. Por aquí, señoras y señores. Síganme, por favor. Por aquí, señoras, por aquí. ¡Oh, que c'est beau! Bueno, de este lado, por aquí. C'est un vrai plaisir. Bon, dis donc, il reste plus beaucoup de tabac, il va falloir ouvrir une ou deux chaussettes. Oui, ben, il faut d'abord prendre celui qui est dans la poche de mon veston, il va finir par s'abîmer. Mathilde ! Oui ? Passe-moi donc le veston de Maurice dans la penderie. Tiens, voilà ! Là ! Et allons-y. Chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. Et les vaches seront bien gardées. Yep. Je te préviens, la prochaine fois que tu vois ton ballon dans la figure, je te balance un coup de pied quelque part. Oh, écoute, ça va, je l'ai pas fait exprès, là. Bah quoi, faut bien qu'elle s'amuse, cette petite. Dis donc, tu penseras à mettre une petite carotte... découpée en rondelles fines. Espèce d'idiote! Tu peux pas faire attention, non? Nicole, tu seras privée de dessert! Je m'en fiche, j'aime pas la tarte, alors! Ah! Ah! Oh, mais... Ah, je crois que vous avez perdu quelque chose! Merci, merci! Oh, mais c'est rien du tout! On est sonnette ou on l'est pas? Hein? Alors, alors! Venez par là, venez par là. Tenez, débarrassez-vous. Là. Oh, 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 oh. Si vous saviez ce qu'il y a là-dedans, un vrai trésor. Notre tabac préféré. Oui. On ne peut pas s'en passer. Merci-vous donc. Grazie. Vous prendrez bien quelque chose. Avec plaisir. Je vais aller vous chercher une bouteille de Beaujolais. Diga, seguro que es esta la chaqueta que buscamos. ¿Vos voulez du tabac? No, je fume pas. Ah, bon. ¿Vos voulez du tabac? Sí, sí, señor. Ah, mais prenez, vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Santé. Agradable ici, eh? El diamante está en el bolsillo derecho. Mais rapprochez-vous, mais rapprochez-vous, mais n'ayez pas peur, asseyez-vous, voyons. Prenez. Mais restez là. Prenez. Sentez-le, hein. Il est bon. Mais où allez-vous? Mais venez. Mais vous êtes tombé. Mais venez. Mais voyons. Vous vous êtes fait mal? Non, gracias. Voilà les messieurs qui nous ont sauvé notre tabac, ma femme. Oh, monsieur. Oh, pardon. Oh, cherchez d'autres verres, hein. Ma femme. Gonzalez d'Albaïs. Enchanté. Dis donc, tu n'as plus besoin de ton veston. Je vais le ranger dans l'armoire. Il ne s'agirait pas de l'oublier ici et de se le faire voler, hein. Voilà. Voilà. Là. Là. À la bonne botte. Ça, la veste, on l'a vue. Mais qu'on n'a pas pu la toucher. Ils sont trop nombreux, on ne peut pas. On peut pas. Mais je te félicite. Ils sont coriaces, tes pigeons. Attends, je crois que j'ai une idée. Ah. Pour récupérer le diamant, il faut fouiller la veste. Oui. Pour fouiller la veste, il faut les éloigner de la roulotte. Oui. Alors, on invite toute sa famille à venir passer la soirée au cabaret. Et quand ils sont tous ici, vous devez vous retourner au campement et vous reprenez le diamant dans la poche de la veste.
Eh ben, pour une fois, t'as une idée. Devenir souvent tes clients. Tiens, les voilà. Hombre, ils sont tous là. Alors on pourrait aller fouiller la roulotte. Pas la peine, il a mis le veston. Quel veston? Veston, se trouve le diamant dans la poche droite. Parfait, parfait. On va le récupérer. Mettez-vous lunettes. Vaut mieux qu'ils ne vous reconnaissent pas. Vous êtes ici en client, compris? Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je vous ai réservé la meilleure table. Je suis confus de votre accueil. Vous savez, moi, quand je retrouve des Parisiens, je deviens sentimental. Ah, parce que vous êtes Parisien? De Pigalle. Ah, je me disais aussi, j'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Pardon. Asseyez-vous. Merci. Retirez vos vestes, vous allez avoir trop chaud. Non, si, je vous assure qu'il fait très chaud, vous devriez retirer votre veste. Non, je préfère la garder. On vous la gardera au vestiaire. Allons, mettez-vous à l'aise. Non, écoutez, je veux vous dire, j'ai des bretelles. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait pas beau. Et qu'est-ce qu'on peut vous servir? Eh bien, faites-moi confiance. Un petit vin andalou de derrière les fagots. Spécialité de la maison. Traître pour les dames, ravigotant pour les messieurs. Vous m'en direz des nouvelles. Un petit vin spécial extraordinaire. Oh, excusez ce maladroit. Retirez donc votre veste, on va vous la détacher au vestiaire. Mais non, rien du tout. Donnez-moi ça. Vous tenez absolument à déshabiller mon mari, vous, hein? C'est pour la nettoyer. Et que ce soit bien tassé. Compte sur moi. On va les soigner. Avec ça, il aura vite chaud. Ah, tu parles. Manuel. Viens, c'est prêt, tu peux y aller. Verse-moi deux verres normaux pour Myriam et pour moi. Quand la famille sera rétamée, ce sera un jeu d'enfant de leur cueillir le veston. Vous verrez, il est excellent. Ah, j'espère bien. Oh, on dirait qu'il pétille. Oui, il pétille. Vous allez me goûter ça. Attends, prenez mon verre. Voilà, je m'en fais. Une cigarette? Non, je ne fume que la pipe. Je ne fume que la pipe. Eh bien alors, à la bonne vôtre. Ça se voit d'un trait. Oh. Ce sont des petites natures. Il est pas mal, votre truc. Un peu léger, mais pas mal. Un petit coup. Non, vraiment. Un petit coup. Non. Puis-je vous demander de m'accorder cette danse, chère madame? Avec plaisir. Tu veux danser? Oui. Vous ne dansez pas? Mais papa, il danse pas, papa. Moi, je... Comment? Je vais te montrer, moi, si je danse. Mais moi, tu m'invites pas? Nicole, tu ne bois pas ça. J'ai soif. Je vais te commander une grenadine. Tiens, garçon, une grenadine pour mademoiselle. Il n'y a pas de grenadine, monsieur. Comment? Vous allez me faire croire qu'à grenade, il n'y a pas de grenadine? Non, monsieur. Prince. Tu boiras de l'eau. Mais je veux pas d'eau, je veux de ça. Donne-moi mon verre. Je n'ai pas envie de te voir rouler sous la table.
l'heure de... des... Je vais... Oh, sûrement. Ben, où sont les enfants? Ils ont dû aller faire un tour. Comme Nicole ne sait pas danser, ça n'est pas très marrant pour eux. Oh, bien sûr. Plus en bas, ça leur frappant de l'air, il fait tellement chaud. No es fácil. Qué hombre fuerte. Ça, il tient le coup. Il ne peut rien, faut attendre. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la direction du cabaret La Corrida a le grand plaisir de vous présenter le trio de danseurs réputés Les Cervantes, accompagnés de leur célèbre guitariste, dans un flamenco, une danse sévillane. Voici Les Cervantes. Donne-moi du feu. Mon torboyau lui donne des ailes. Plutôt. Oh, il est vraiment formidable. Oh, oui. Je savais qu'il avait été champion de Java, eh mais... Ben, ouais, ça n'est jamais qu'une Java espagnole. Bien. Attends un peu. Qu'est-ce que tu vas faire? Des étincelles. Allez, viens. Oh, écoutez, alors, il est prêt. Oh,
Ceinture noire, troisième dan, mon petit bonhomme. Plaisir de venir vous baigner avec moi. Et comment? Maurice, réveille-toi. J'ai entendu parler. Oh, vite, vite, Jacques s'en va en auto avec la petite blonde. La petite blonde? Allez, dépêche-toi, lève-toi. La petite blonde? Un mot pour t'expliquer que je vais me baigner avec la... Bah, puisque t'es réveillé, autant te prévenir tout de suite. Alors voilà, si tu tiens à ton fils, faut qu'avant midi, t'aies rapporté le diamant chez moi. Le diamant? Mais quel diamant? Vous êtes fou! À bon entendeur, salut!
qu'est-ce qui se passe? Allez hop, on file. Où ça? On file. Mais où? Allez. Tu l'as vu? Allez hop. Faites passer mon derrière et ligotez-le. Mathilde, hein? T'as pas mal à la tête, toi? Oh, si, alors. Oh. Oh, il faut plus boire comme ça, hein? Oh, c'est terrible. J'ai même l'impression qu'on roule. Moi aussi. Mais t'es pas un fou, regarde où ils sont. On les rattrapera jamais. Eh ben, tu vas voir ça. Hey! Quoi? Elle tasse. Oh, mais il a pris un coup de soleil. Traverse la ville. Quand on sort de l'autre côté en pleine campagne, il pourra toujours s'aligner avec son vieux taco accélère. Ah, le salaud, le salaud, le salaud! Oh! Oh, troisième crise de délirium! Oh, pourquoi tu vois des souris? Oui! Des souris noires. Oh. Arrête, arrête, le flic. Oh, je m'en fous, le flic, regarde, paf. Tu vas voir, dans deux minutes, on va avoir les motards à nos trousses. Eh ben justement, pour une fois, vaut mieux mettre la police dans le coup. Fais-moi du pauvre chou, pourvu qu'il lui fasse pas de mal. Oh, 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 mon cul en bon coup présent. Mais c'est pas possible, il va nous rattraper. Accélère. Je peux pas, on fait déjà du 130. Accélère. Allez, roule, roule. Il va nous rattraper, accélère. Tu crois qu'on va pouvoir les suivre? Oh, Laurie! Voyons, Laurie! Oh, 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 ça va! Oh, 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 ça y est, on ne les voit plus! Ah, tout de même! Dans la montée, il s'essouffle. Hombre! Quoi? En bas, il y a la police qui arrive! Si les flics s'en mêlent, on peut faire le deuil du diamant. Qu'est-ce qu'on fait? On balance le bouffet, ça leur fait perdre du temps. Et nous, on se tire. C'est le moment de changer d'air. Myriam, vous ne pouvez pas me laisser là, Myriam. En attendant, t'as tous failli nous tuer. Ah. C'est tout ce que j'ai réussi à sauver de la roulotte. À croire qu'il est incassable. Que c'est que ça? Ne se mueva!
diamante en el tabaco. El diamante robado en París. Voleurs, et ils nous ont mis en prison. Et avant qu'on s'explique et qu'on soit relâché, ça a demandé un petit bout de temps, comprenez-vous? Et voilà pourquoi ils ont duré 6 mois nos vacances en Espagne. Mais le plus fort, c'est qu'ils n'ont jamais retrouvé les voleurs. Excusez-moi. Attirons-nous.